J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un weekly vlog pour ma première semaine d'université. C'est la rentrée aujourd'hui, on est lundi et c'est ma dernière rentrée à vie. Je commence ma dernière année d'université et donc mon nouveau programme qui est de seulement un an. Là, j'ai tellement de questions. Je pense que c'est les questions qui reviennent le plus souvent. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? En quoi tu étudies? C'est quoi ton parcours universitaire? Blablabla. Donc, je vais vous le dire ici, vu que cette vidéo est pas mal tout en lien avec l'université. En fait, moi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Ensuite, au cégep, j'ai fait sciences humaines, relations d'aide. Et j'ai fait ensuite à l'université un bac en psychologie. Donc, j'ai terminé mon bac en psychologie en juin. Mais autant que j'ai adoré mon bac, autant que j'ai adoré les cours, je me voyais pas faire ça de ma vie. Pour moi, c'est comme trop négatif pour moi. Je suis une fille qui absorbe beaucoup les émotions des autres. Donc, j'aurais pas réussi à faire ça de ma vie. Donc, j'ai décidé de me réorienter, je l'ai eu, en communication. Et en fait, je rentre aujourd'hui dans mon nouveau programme au deuxième cycle à l'université qui s'appelle un diplôme d'études supérieures spécialisé en relations publiques. Donc, je rentre au deuxième cycle, donc aux études supérieures en relations publiques. C'est un programme d'un an. Donc, session automne et hiver. Et ensuite, j'ai terminé. Et j'ai vraiment hâte, bien honnêtement. Mais là, on parle pas de terminer. On parle de commencer. Donc, aujourd'hui, c'est ma rentrée. On est lundi le 30 août. Et je rentre à mon programme. Donc là, pour vous faire un petit topo, j'ai 5 cours. Donc j'ai 5 cours et tous mes cours sont présentiels, mais en fait j'ai juste le jeudi que je suis à l'université, toutes les autres sont en Zoom. Donc le lundi aujourd'hui, j'ai mon cours qui est à 3h30, donc j'ai eu vraiment le temps ce matin pour moi. Donc j'ai bu mon café bien tranquille, j'ai pris ma douche, préparé, je me suis lavé les cheveux, donc là je suis toute prête pour commencer l'université. Comme je vous disais, il est midi, fait que je vais commencer mes trucs d'université cet après-midi, regarder mes sites de cours et tout. Mais là, on va commencer par aller dîner. Fait que je vous amène avec nous, on va aller chercher quelque chose à manger. Je vais mettre mes pantoufles et on s'en va dîner. J'ai mon dîner, donc premièrement, j'ai un potage que ma maman m'a fait. Je pense que c'est patates et chou-fleur, de quoi dans le genre-là. Si vous me suivez depuis... que j'ai commencé mes vidéos, que je vous faisais souvent des weekly vlogs d'université. Vous le savez que presque tous les midis, je mange de la soupe. Fait que c'est un repas back to school vraiment pour moi. Fait qu'un bon potage avec des petits biscuits aux légumes avec un morceau de fromage dessus pour avoir un peu de protéines aussi. Fait que ça va être mon dîner avec un verre d'eau. Puis je vais écouter une petite vidéo, puis nous, on se reparle tantôt! Ok, il est rendu 2h et oui, j'ai procrastiné. La dernière fois qu'on s'est parlé, était midi, midi et demi, je dînais. Et là, il est rendu 2h. Mais en fait, j'ai une bonne raison. Pourquoi je procrastinais? À cause de deux choses. Premièrement, je voulais écrire dans mon agenda tous mes examens et tout de mes cours qui me restaient à écrire. Et je voulais commander mes livres. Mais j'ai deux cours qui n'ont pas ouvert leur site de cours. Fait que je peux pas le faire. Je peux pas commander mes livres parce qu'il me manque deux cours que je sais pas si j'ai des livres à acheter. Puis je peux pas finir d'écrire mes examens dans mon agenda parce que mes sites de cours sont pas ouverts. Fait que je sais pas si on compte mes examens. Fait que voilà ma raison pourquoi je procrastinais. Et honnêtement, ça me rend folle que les profs ouvrent pas les sites de cours. Genre, aujourd'hui est la première journée d'université, tes sites de cours devraient être ouverts. Et deuxièmement, j'en ai un qui est pas ouvert, que le cours est demain 8h30. Comme, ouvre-le ton site de cours, il est dans moins de 24h ton cours. En tout cas, bref, ça me fâche. Mais tout ça pour dire que là, j'arrête de procrastiner et on va préparer mes cahiers de notes. Mais avant, je voulais vous parler de l'agenda que je me suis acheté pour cette année, pour ma dernière année d'université. En fait, c'est le parfait agenda. En fait, c'est la première fois que je l'achète et je l'aime vraiment beaucoup parce que, comme je peux vous montrer, comme ça ici, on peut voir la semaine au complet. Fait que vous avez du lundi au vendredi, vous écrivez les dates. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez ici une to-do list, ici une section comme important que vous pouvez noter et des notes. Fait que vous avez vraiment beaucoup de place pour tout noter, qu'est-ce que vous avez à faire dans la semaine et tout. Fait que je l'aime vraiment. Fait que c'est le parfait agenda. Et là, comme je vous disais, je voulais préparer mes cahiers de notes. Là, posez pas de questions. Oui, j'ai 5 cours et je m'en suis acheté 4. Ça, c'est moi. Je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté 5. Mais bref, je vous ai toujours parlé de mes cahiers de notes qui est les 5 stars. C'est mes cahiers de notes préférés parce que
Premièrement, il y a une petite pochette ici que vous pouvez rentrer des choses. C'est des 200 pages, donc c'est en masse assez gros pour faire ta session au complet. Et ils sont vraiment faits solides. Tu sais, moi, exemple, le Cahier Canada ou toutes ces affaires-là, c'est pas fait solide, ça se chiffonne. J'haïs ça. Ça, c'est parfait, ça se tient. Un petit bout de nez, tu peux le twister comme tu veux. Tu sais, comme t'ouvres tes cahiers, tu peux le twister. Bref, c'est mes cahiers préférés. Fait que j'en ai pris un blanc, un mauve, un turquoise et un rose. Fait que je pense que là, mon cours, comme je disais, est à 3h30. Fait que je vais organiser mes cahiers de notes en attendant. Là, il est 2h15. Fait que j'ai encore au moins une heure à faire. Puis, mon cours de cet après-midi, qui est mon premier cours de la semaine, c'est relation avec les médias. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Fait que c'est mon premier cours de ma session et qui est tous les lundis à 3h30. Fait que je vais vous reparler de ce cours-là quand je vais l'avoir fait. Je vais vous dire mes impressions. Mardi et hier, je vous ai pas reparlé après mon cours parce qu'en fait, j'ai une de mes amies qui est venue souper avec moi pour me passer la soirée entre filles à papoter et tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Mais là, je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un petit topo de mon cours d'hier. Ça a super bien été. Mon professeur est vraiment trop cute. C'est genre un monsieur de 60 ans qui a full d'expérience en com, littéralement à l'Université Laval. Fait que bref, vraiment trop cute. Ça a été vraiment super le fun comme premier cours. Fait que c'est ça pour mon cours d'hier qui était relation avec les médias. Et là, aujourd'hui, il est tôt. J'ai mon grand café parce qu'il est à peine 8h et aujourd'hui, j'ai deux cours. Donc, j'ai mon premier cours à 8h30 qui est les enjeux du numérique en communication. Et j'ai un cours à 12h30 qui est plan de communication. Donc là, je commençais avec lui de 8h30 ce matin et bien honnêtement, je suis un petit peu stressée parce que ce cours-là, c'était un cours à option dans mon programme. Et je l'ai pris parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, dans quoi je veux aller après mes études, c'est vraiment le numérique, les médias sociaux et tout. Donc je me suis dit, hey, c'est le cours parfait pour en apprendre dessus. Et quand il a ouvert le site de cours hier, j'ai vu que le cours était littéralement de faire une thèse. Genre un travail de session de comme au moins 20 pages qu'ensuite on présente à une organisation en communication. Donc là, j'ai commencé à battre un petit peu, mais je me suis dit que premièrement, ça serait une belle expérience pour moi et que deuxièmement, ça allait me donner l'occasion de travailler sur un travail qui m'intéresse vraiment. Fait que je l'ai gardé le cours et on va faire ça maintenant. Mon Zoom devrait commencer d'ici une demi-heure, fait que je vais vous donner des nouvelles après. Premier mental breakdown de la session. Deuxième journée. Bon, j'ai fini mon premier cours de la journée. Et comme vous avez vu, j'ai un petit mental breakdown. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte de ce qu'il fallait que je fasse pour ce cours-là. En fait, pour vous donner une idée, le cours c'est un séminaire. Et moi, dans ma tête, c'est la première fois, comme vous savez, que je fais des études supérieures. Puis il y a juste des séminaires aux études supérieures à l'université. Dans ma tête, des séminaires, c'est un sujet en particulier, puis on jasait tout ensemble, toute la classe par rapport à ça. Mais ce n'est pas ça. Il faut que je fasse un travail sur le sujet de mon choix, tant que c'est en lien avec l'intelligence artificielle. Il faut que j'écrive un article scientifique de 20 pages et que je le présente à un colloque. Puis si le colloque aime genre ma présentation puis le sujet que j'ai choisi puis tout, ils vont me proposer de me publier dans une revue scientifique. Comment vous dire que je n'ai jamais fait ça et que ça me stresse vraiment beaucoup, mais aussi vous dire que je vais le faire. Parce que je veux me dépasser, puis je pense que c'est vraiment une expérience professionnelle vraiment intéressante pour moi. Mais ça me stresse. Fait que là, live, mon bureau est un mess, ma tête est un mess. Il faut que je trouve mon sujet, je sais pas mal pas où est-ce que je m'en vais, mais quand même, il faut que je fasse des lectures et tout ça avec mes quatre autres cours. Fait que là, je suis comme un peu stressée, mais genre, mon prof était super gentil. Il y avait aussi une de ses étudiantes à la maîtrise qui nous a présenté comme tous les sujets qu'on pourrait, tu sais, des exemples de sujets qu'on pourrait parler pour nous inspirer. C'était vraiment intéressant. On n'est vraiment pas beaucoup dans le cours. On est à peu près une dizaine. Fait que c'est pour ça aussi que dans le fond, le prof nous accompagne tout individuellement par rapport à notre recherche et notre article scientifique qu'il faut écrire et notre présentation au colloque. Fait que ça me.
ça me calme un petit peu parce que je sais que mon prof, il va être là pour m'aider et tout. Puis c'est un monsieur qui a vraiment beaucoup de réputation en communication publique et tout. Fait que comme ça me stresse pas. Mais c'est quand même vraiment beaucoup de job. Mais c'est pas grave, on va l'avoir, on va l'avoir. Fait que là, quand je vous dis, j'ai fini mon cours, il est 11h30, je me suis remis de mon mental breakdown et là, j'ai confiance que je vais le faire et que je vais réussir à le faire. Fait que là, quand je dis, il est 11h30, je vais ranger un peu le mess que j'ai fait, je vais dîner et j'ai mon prochain cours qui est à 12h30. Bon, mon dîner, je me suis fait chauffer une pizza. En fait, hier, comme je disais, mon ami est venu souper et on s'est fait des pizzas maison sur Painan. Fait que j'en ai fait une de plus pour mon dîner ce midi. Fait que ce que je vais manger, super simple, c'est du Painan, de la sauce à pizza Mike's, qui est super bonne, je vais vous la montrer. C'est cette sauce à pizza-là, Mike's, elle est super bonne, avec du pepperoni, fromage et poivron. Aussi simple que ça. Fait que je vais manger ça vite, vite avec mon verre d'eau. Puis ben, on recommence le prochain cours. Bon, on se retrouve dans mon auto parce que je viens de terminer mon cours de cet après-midi, plan de communication, et il a fini plus tôt que prévu et je travaille. J'avais déjà prévu arriver un peu en retard parce que j'avais un cours qui finissait à 3h20, mais il a fini comme 5-10 minutes encore plus tard, fait que je me dépêche à aller à la garderie. Fait que c'est ça, mais honnêtement, mon cours a l'air super intéressant. C'est vraiment le fun parce qu'on fait littéralement un plan de communication pour une vraie organisation. On va être en communication avec elle et tout. Fait que c'est vraiment une bonne expérience professionnelle. Mais la professeure, bien honnêtement, me fait un petit peu peur. Elle a l'air super gentille et tout, mais elle a l'air très exigeante. Fait que j'ai hâte de voir comment la session va se dérouler et tout. Mais je suis pas inquiète que ça va bien se passer quand même. Fait que tout ça pour vous dire que là, il est rendu 3h30 et que je suis en route vers la garderie pour aller travailler, que j'étais supposée commencer à 3h, mais que je vais être plus à 3h30, 3h40. Mais c'est la vie quand on est étudiante et mes collègues le savent et tout est beau. Fait que tout ça pour dire que moi, je travaille toute la soirée jusqu'à 1h ce soir. Fait que nous, on va se reparler demain. Mercredi et aujourd'hui on se retrouve à mon bureau, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici. Comme vous avez vu ce matin, je me suis préparée, j'ai pris mon café et je me suis installée à mon bureau pour travailler parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de cours. Je travaille à 3h, donc avant j'ai décidé de commencer à étudier. Évidemment, j'ai tellement de choses à faire. Donc là, j'ai commencé mes recherches pour un de mes travaux. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve le sujet sur lequel je veux travailler qui est en lien avec les relations publiques et l'intelligence artificielle et que je commence à faire des recherches sur qu'est-ce qui a été écrit par rapport à ça. Là, j'ai commencé à brainstormer avec moi-même un peu. C'est sûr que je veux le faire sur les médias sociaux, le marketing d'influence. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. J'ai commencé à trouver quelques documents que vous avez vus, j'ai imprimés. Fait que c'est le plan pour aujourd'hui, brainstormer sur ça, commencer à lire des documents et tout. Et je travaille à 3h, mais là, il est déjà 11h30 et j'ai pas déjeuné juste pour un café. Fait que je commence à avoir faim. Fait que je pense que je vais aller voir qu'est-ce que je pourrais manger pour dîner. Puis après ça, on va se remettre à mes recherches. Allô! On est jeudi. Là, je m'excuse, je suis une mauvaise blogueuse. Hier, je n'ai pas vraiment blogué. Mais en fait, après que je vous ai parlé, j'ai étudié tout le reste d'après-midi puis je suis allée travailler à 3h. Fait que j'avais pas grand-chose à vous montrer. Mais là, aujourd'hui, c'est excitant. Parce que c'est la première fois que je retourne un cours en présentiel à l'université depuis un an et demi. Et c'est ma dernière année d'université. Fait que je suis quand même contente, honnêtement, de pouvoir retourner sur le campus, aller revoir mon université à ma dernière année. Donc, comme je vous disais, c'est mon seul cours que j'ai en présentiel cette session-ci. On est jeudi, donc mon cours est à 12h30. Et mon cours, c'est Relations publiques, culture et société. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Fait que là, le plan, c'est qu'il est 10h30 et j'ai pas encore mangé. La seule chose que j'ai faite, c'est boire mon café. Fait qu'on va manger. Je pense que je vais faire un sandwich déjeuner. Je l'ai déjà montré, je me semble, dans un de mes vlogs, mais je vais vous le remontrer vite, vite, quand je fais ça. Et après ça, on va s'en aller à l'université. Donc, comme je vous disais, j'ai deux cours, un à 12h30 à l'université et un à 3h30 à distance. Fait que là, je sais pas si je vais avoir le temps entre les deux de revenir chez moi ou sinon, je vais faire le deuxième à l'université à distance sur mon ordinateur. Fait qu'on va voir comment ça va aller, mais je veux dire que je suis bien excitée. Fait que là, je vais me faire mon sandwich déjeuner puis je vais vous montrer comment je fais ça.
Ok, je vais vous montrer comment je fais mon sandwich déjeuner. C'est super simple. Premièrement, j'ai pris deux tranches de pain que j'ai faites griller dans le grille-pain. Je prends de la mayonnaise puis j'en mets une petite couche sur chacune de mes tranches. Ensuite de ça, j'ai fait revenir une petite tranche de jambon dans la poêle. Donc, je la mets en premier. Ensuite de ça, dans la même poêle, j'ai fait un œuf tourné. Donc, je vais venir le mettre par-dessus le jambon. Et puis, je vais prendre une tranche de fromage orange et je vais le mettre par-dessus l'œuf. Et ça, c'est vraiment important parce que quand vous le mettez par-dessus l'œuf qui est chaud, ça fond. C'est meilleur. Ensuite de ça, une autre étape importante. Je mets la salade en premier par-dessus et ensuite les tomates. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ma salade absorbe un peu le jus des tomates puis ça va pas tout mouiller le dessous et tout. C'est juste pour ça. Donc, ensuite de ça, je viens mettre l'autre pain par-dessus et je vais venir le couper en deux. Et voilà, aussi simple que ça. Fait que j'ai mon sandwich déjeuner. Donc, j'allais manger ça un petit 15-20 minutes. Puis, j'allais finir de me préparer pour aller à l'université. En route vers l'université. Je suis quand même excitée, il y a 11h30, puis on y va. J'aime bien ça passer une heure d'avance parce que de chez moi, c'est 20-25 minutes de route aller à l'uni. Puis, j'ai pas pris de passe de parking cette session-ci, vu que j'y vais juste une journée. Fait qu'il faut que j'aille payer pour ma journée à la borne. Puis, le temps de trouver aussi mon pavillon. Parce que si vous connaissez un petit peu l'Université Laval, mon pavillon, c'est pour ce cours-ci, c'est l'église. Louis-Jean-Cazot, en tout cas. Puis, je n'aime pas vraiment le pavillon. Je le trouve vraiment mélangeant. Fait que j'aime bien arriver un peu d'avance pour trouver mon local, payer mon parking et tout. Fait qu'on est en route. Bon, je suis arrivée chez Jean-Benoît, comme vous pouvez voir. Mon cours a fini plus tôt, donc j'étais vraiment contente. J'ai pu avoir le temps de revenir chez Jean-Benoît avant mon deuxième cours qui est à distance. C'est sûr qu'il y a des fois pendant ce temps que j'aurais pas le choix de le faire à l'université, mais c'est plus dur quand c'est à distance. Il faut que tu fasses à l'université avec tout le monde qu'il y a autour et tout. Il faut que tu trouves une place tranquille. Fait que bref, j'étais bien contente d'avoir le temps de revenir ici, au moins pour mon premier cours. Fait que là, il est... Quelle heure? Il est 3h et mon cours est à 3h30. Et ce cours-là, c'est théorie et pratique en relations publiques. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ça a l'air un peu plus philosophique, genre. En tout cas, on verra bien. Mais mon cours de midi et demi a vraiment bien été. La prof est tellement fine. C'est vraiment comme une table ronde qu'on va jouer ensemble. On a beaucoup de lectures à faire, par contre, mais je m'en entends. Ok, c'est ça. Tout ça pour dire que je suis arrivée ici et que je vais commencer mon deuxième cours de la journée, mais que le premier a super bien été. Allô! On est vendredi et on peut dire que j'ai officiellement survécu à ma première semaine d'université. Vendredi, je n'ai pas d'école et là, il est 10h, j'ai hâte de partir de chez Jean-Benoît et je m'en vais faire mes ongles. Ça va être la première affaire que je fais pour moi cette semaine. La première chose que je vous montre qui n'est pas d'université cette semaine. J'ai bien hâte, ça va être mes premiers ongles d'automne aujourd'hui parce qu'on est genre le 2. Septembre, puis j'étais due, là, j'en ai trois ici, de briser. Toutes les autres étaient encore où, ils étaient comme ça la dernière fois. Fait que c'est ça, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire, mais j'allais voir parce que mon esthétienne a toujours des nouvelles couleurs. Fait que on regarde tout le temps ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'ai bien hâte. Mais avant ça, je suis allée me chercher du McDo aussi, parce que j'ai pas déjeuné. Je me suis autorisée à me lever plus tard ce matin. Fait que j'ai pas déjeuné. Fait que je vais arrêter au McDo me chercher à déjeuner, puis on s'en va faire mes ongles. Allô, je vais te prendre un moyen café glacé original. Ça ensuite? Avec un muffin au bleu, s'il te plaît. C'est trop bien? Oui. Parfait, je vais t'en. Merci. Bon, je viens de revenir chez nous. Je vais vous montrer mes ongles. Je les trouve full beau. C'est comme un entre-deux automne-été. Juste avant de faire vraiment les ongles d'automne. Fait que du petit gris, du petit rose, puis un petit blanc. Trop beau. Fait que ça m'a fait du bien. J'en sais avec mon esthéticienne pendant une heure. Penser à autre chose que l'université. Mais là, je vais vous arrêter le weekly vlog ici parce qu'il est assez long et il faut que je me prépare et je travaille à 3 heures. Fait que ça va être tout pour ce weekly vlog-là. J'espère que vous avez aimé passer avec moi ma première semaine d'université au deuxième cycle. Si oui, vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!